Bon, voilà, il a sorti le chien. T'es joué. C'est combien de temps? Tu as filmé? Oh, c'est affreux. Ça, la merde, j'ai ouvert une pièce, j'ai fait une pièce. Une seule pièce, et la seule pièce que j'ai faite, c'était affreux. Il y avait pas de celui-là. Vous avez tout est filmé, j'ai filmé tout ce que j'avais filmé. Et j'ai fait qu'une pièce, comme ça au hasard. S'il y avait un deuxième chien, j'aurais entendu aboyer, je suis pas sourd. Mais celle-ci, elle était très agressive parce qu'il avait très peur, il avait très faim. Mais voilà, la chaîne est sauvée, c'est essentiel. Salut Internet, c'est Kamof. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. On a reçu un message d'une personne qui souhaite garder l'anonymat et qui nous a informé qu'un chien était abandonné dans un appartement, vivant dans ses excréments et qui faisait qu'aboyer H24. C'est-à-dire que le chien ne sortait pas ni le matin ni le soir. Voilà. Donc, cette personne tient à garder l'anonymat. Avant que vous regardiez la vidéo, on a quand même on a un rapport de la clinique vétérinaire. On a porté plainte contre cette personne là comme quoi elle laissait le chien à l'abandon, tout ça. Donc je vais lire quand même le compte rendu de la clinique vétérinaire. Allez, vas-y, parle. Dis. Alors, je sous-signé docteur Dut certifie avoir consulté à ce jour le chien mâle Jack Roussel, identifié sous le numéro, voilà, pour maigreur, allergie cutanée au niveau des testicules et du museau, et psychologiquement craintif. C'est cet état pouvant être relatif à un état de maltraitance. Voilà, c'est, regardez, ça vient d'une clinique vétérinaire, voilà. Donc, vous pouvez y aller. Voilà, là vous allez voir la vidéo, on va pas vous en dire plus. Et l'intro, on a fait carrément l'outro le soir même. Donc on fait l'intro aujourd'hui. La personne a quand même, je tiens à le dire, la personne a osé nous contacter en disant qu'elle avait perdu son chien, qu'elle aimait son chien plus que tout. Mais quand vous allez voir dans quelles conditions vivait le chien, vous allez vite comprendre pourquoi on l'a enlevé. Voilà, on se retrouve à la fin pour l'outro. Et attends, n'oublie pas, dédicace à Laura B, parce que je lui ai promis. Ça m'énerve quand il coupe, voilà. Comme ça, j'ai envie. Et voilà. Il m'énerve, ça me coupe, vous me coupez là. Mais je te coupe. Mais tu me coupes pas la barbe, c'est bon. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, pour tous les habitués, et dédicace à qui vous voulez, voilà. N'oubliez pas les t-shirts. Mais c'est qui qui fait dédicacer lui? Mais non, mais t'es con quoi, c'est une intro. Pourquoi tu viens mercredi prochain? Il va même pas commencer le truc. C'est pas grave, il coupe. À tout à l'heure. Vite, tu. Bon, là on a trouvé le chien. On a trouvé le chien, mais il y a Jacques, il était. Voilà. Il paraît qu'il y en a un dedans aussi, il est mal en point. Jacques, il est ailleurs, il va nous rejoindre, donc on attend pour intervenir. Et là, je vais sonner pour voir s'il y a du monde, mais s'il y a des gars, on va escalader et on filmera même l'intérieur. Même l'intérieur de l'appartement, on va le filmer. Donc là, on va rentrer. C'est pas de l'eau. Ok, bon, là c'est bon, merci. C'est le dernier étage. Ok, ils sont là. C'est juste en haut. Oh, Insoutenable. Oh là là. Là c'est horrible. Même avec le t-shirt, on a vu de vomir en fait. Oh, ça vient plus. Il est en débat. Est-ce qu'on peut pas par la bouche, par le nez? Il y a personne. On va passer par la fenêtre. Voilà, il y a Jacques qui vient d'arriver. Il pisse, j'ai commencé à fumer tout à l'heure. Les chiens qui sont dans la piste, dans la mer. Là, il y a le chien là-haut. Là. Tu vois, je vais te remonter, tu vas sentir, je vais vomir. C'est bon, si je te dis que tu vomis, respire par la bouche. Respire par la bouche, gros. Ah. Allez, vas-y. Vas-y, grimpe. J'enlève les. Je sais pas ce que je vais trouver. Je sais pas pour toi, gros. Chiche-moi un peu, là. Allez. Attends, pitch ton épaule. Allez, monte. Je suis en train de monter là pour essayer d'aller. Non, toi, monte. Je peux me mettre sur Jaco. Ils sont en lien avec la SIA et tout. Ça va, essaye de voir si tu trouves pas ça. C'est un mal. La merde qu'il y a.
Plus j'avance, au plus je joue. Le chien est dans l'abandon complet. Regardez le bordel qu'il y a. Une chambre. J'ose même pas faire le reste parce que c'est vraiment affreux. C'est affreux. Un port. C'est affreux. Mettez les t-shirts, gars. Levez les t-shirts, mettez les t-shirts. Hein. Bonne dégueu. Okay, oh, c'est affreux. Okay. Il faut le lâcher propre. Je me lève, vas-y. C'est trop, Pierrot, c'est trop. Vas-y, descends maintenant. C'est bon, on le voit, les militaires. Vas-y, c'est bon, tu es bon. Ici. Eh, Pierre, c'est quoi le mieux? En gros. Gros, le mieux, c'est que moi je me mette sur, d'un côté, je te donne, je monte en haut, tu vois. Et après, nous, on les prend. C'est pour l'envoyer. Et l'autre, c'est quoi l'autre? C'est un gros chien, l'autre? Il n'y a pas de chien. Il y en a qu'un? Ah ouais? C'est pas possible, on entendait un autre. Y'a qu'un chien. Vas-y, viens, on le prend, on se casse. Il a. Ah bah, ça va, c'est moi qui m'occupe. Vas-y, t'inquiète, dès que tu montes, j'avance. Allez, vas-y. J'arrive. C'est bon, t'inquiète. Mets-le dans la serviette. Elle est où la serviette? Mais il faut le mettre dans la serviette. Viens, non, on peut. Sinon, on attend la sangle, elle est où la sangle? Pierrot, c'est l'envoi, on la récupère. Je vais te passer avec la sangle, non? Je pars. Mais vas-y, on va attraper le chien. Non mais oui, tu l'envoies, on le récupère. Il m'a envoyé une nouvelle pour choper le chien. Il m'envoie les dents. Il t'envoie les dents. Ah ouais, j'ai un peu comment je passe là. Si on peut pas le rattraper gros. Là ça va être chaud. Anto, va au milieu et Jacques mange en bas. Si vous voulez mettez pas la serviette, c'est mieux. Envoie la serviette, on le réceptionne. Oh la culée. La serviette là voilà, 4 minutes. Après tu mords, hein. Allez, les amis, il faut quelqu'un là. Là, c'est parti. Non, attends, il faut quelqu'un là. Voilà, c'est bon. Vas-y, Pierrot. Vas-y, 1, 2, 3. Oui, ferme. C'est bon. Il envoie les gars. Allez, c'est bon, les gars. Mets-le dans la voiture maintenant. Chut. Voilà, là, on est dans la voiture avec le chien. Les gens, ils diront qu'on fait du fake. Voilà. On a reçu un message, il était minuit 10, il était. Minuit 10. Une heure après, on y était, on est parti à 1h10. Voilà maintenant. Non, 2h26, c'est terminé. 2h26, c'est ça y est. Tranquillou. C'est déjà conseillé. Non, de toute façon, on a le chien, c'est bon, c'est l'essentiel. Le chien était très apeuré, c'est pour ça qu'il aboyait, qu'il mordait les dames. Regardez, maintenant, s'il ne partit, c'est l'amour. C'est clair. On peut le caresser. Elle a eu peur, c'est normal. Bon. Il sait que voilà, il est sauvé. Non, voilà, celui qui a escaladé, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Celui qui a agressé le chien, c'est pas moi non plus. Non. C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Celui qui a jeté le chien, c'est pas moi non plus. Et ceux qui l'ont réceptionné, c'est pas nous non plus. Voilà. J'ai qu'un mot à dire. La vie de ma mère, les qui laissent les chiens comme ça, bande de. Je vous arracherai la tête, moi. Je vous le dis. Ah ouais. Prenez un chien comme ça. Ne prenez pas pour le laisser comme ça à la maison, dans la merde et tout. Ici. Faut s'en occuper, c'est comme un enfant. C'est eux qu'il faut laisser dans la merde. C'est eux qu'il faut laisser dans la merde. Ah si, tu l'es là. Ah si. Là, on a filmé, vous savez quoi, on a filmé avec les moyens du bord, avec un téléphone, parce que c'est 2h du matin, le temps qu'on appelle le caméraman et tout, c'est une histoire de fou. Et désolé pour la qualité et compagnie, je sais pas comment filmer moi. Moi, je sais que agir. Non, mais de toute façon, tu pars rentrer dans la maison. Non, mais moi, je sais que agir. Tu pars rentrer dans la maison. Voilà, j'ai rien fait moi. On voudrait remercier du fond du cœur les deux personnes qui se sont arrêtées. Le couple là. Le couple qui nous a aidés.